Et essaye d'être dans le mouvement et ne pas gêner. D'accord? Tu te rappelles ce qu'on a travaillé, enfin ce qu'on avait travaillé ou dit sur le chamallow? Bah, il faut que tu fasses la même chose, que tu répètes la même chose sur ton poney. La cadence que tu installes dès le départ, tu t'installes une cadence. Si je vois qu'elle n'est pas assez élevée, bah, je te le dirai. Si elle va trop vite, je te le dirai aussi. Mais après, tu t'installes une cadence et tu essayes de le gêner le moins possible. D'accord? Et surtout, tu ne te mets pas trop en arrière, parce que ça, c'est un petit défaut aussi que tu as, tu te mets trop en arrière. D'accord? Essaye d'être toujours au-dessus de ses pieds. D'accord? Pas le gêner. Au moment du saut. Ok? Allez. Viens voir. C'est beaucoup mieux. Très bien. Et attends. Sortie de tournant, tu t'assois et t'attends. Ok. Elle était bien celle-là. Oh, arrête de me dire ça. Attends. Ok, on se remet en place. Ok. Doucement, doucement. C'est pas grave. Attends, arrête de bouger. Tourne-y la tête, tourne-y la tête, arrête de... On attend, on attend, on attend. Ok, arrête-le tout de suite. Attends, attends. On continue, on continue, on continue, on est en concours là. Wow, 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 wow. Ne l'agresse pas. Laisse-le aller. Ok, et là on remet tout en place. On met tout en place. Assis-toi, assis-toi. Oh là, oh là, oh là. On n'est pas au barrage, hein. Oh, on se calme. On se calme. Arrête, arrête-le, là, là, arrête-le, arrête-le. Ah, bah dis donc, caresse. Tu vois qu'il s'arrête des fois quand tu veux. Arrêter, reculer, c'est cette partie du truc, hein, du dressage. Ça doit s'arrêter, reculer, ça doit aller dans tous les sens, à droite, à gauche, au milieu, tout. D'accord? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, après l'auxerre? Je t'ai jamais dit que c'était un barrage et qu'il fallait passer devant le crottin. Eh, pourquoi t'as pas pris le temps de... Ah, parce qu'en fait, j'avais... Il y avait un espace entre le crottin et j'en ai mis. Mais attends, regarde, t'es sorti de l'auxerre. Regarde les traces. Je vais juste tourner là, regarde. Tu vois, les traces, elles sont ici. Bon, je peux pas le montrer. Hein. Bien. Réception. Déjà, t'étais pas en ligne. Ouais. Mais rien. Tourner là, alors qu'il fallait tourner là-bas, à 6 mètres. J'avais pas compris. Derrière le crottin et au prochain chandelier. J'avais pas compris ça. Bah, si, il l'a expliqué pourtant. Oui, mais ça, j'avais pas compris. Il te l'a dit, tu vas là-bas, tu te remets en place, tu te mets en place tranquille. Donc, ouais. On est à gauche, on descend devant. Tu
Prends le temps d'aller tout droit. Tourne bien. Passe là. Le crottin, les chandeliers. Tu passes là. Tu prends le temps de changer de main. Tu remets tout en place et tu viens sauter le sprint. Allez, vas-y. Tranquille, doucement, doucement. Ok, arrête-le gentiment et on caresse. Garde-le à l'arrêt un petit coup. Oh. Caresse et garde-le à l'arrêt en caressant. Il faut travailler. Les arrêts, le galop, le trot, arrêter, reprendre, machin. Ça, faut travailler. Ouais. Et ton poney, après, il osera moins te prendre la main. Je pense qu'il y a, il y a des choses à faire là-dessus. Ouais. D'accord. Mmh. Bon. Pourquoi tu as sauté complètement à droite là sur le spa? À gauche, pardon. Tu as sauté à gauche sur le spa. Regarde la réception où c'est calé. T'as vu les traces? En fait, tu peux pas tricher. Avance un peu. Arrête de bouger. Avance. On prend le temps. Pourquoi, attends? Avance un peu. Prends le temps, tu coupes. Non! Mais pourquoi tu coupes les tournants? Dessine, Eli. Il faut que tu dessines tes tournants pour bien rentrer dans tes obstacles. Sinon, tu vas rencontrer des soucis. Avance un peu plus. Et là, tu bouges plus. Ok, regarde où tu vas. Continue, garde le galop, garde le galop. Garde le galop, dessine, dessine, dessine. Garde le galop. Ok. Garde le galop. Arrête de bouger. Doucement. T'as vu ta main, comment elle est forte? Il n'y a pas besoin de faire ça. Ok. Allez, donne des rênes. Laisse-le avancer. C'est bien là? C'est long celle-là, hein, c'est le dernier. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était une super bonne séance après le week-end dernier samedi dernier où je suis tombée. Mais c'était une super bonne séance, il était super bien. À part une fois il a essayé de m'embarquer, mais sinon très bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et bisous.